En vérité, ça craint là, ça craint de ouf. Eh, j'apprends toujours pour se voir. Oh, la misto. Oh, la misto. Oh, les gars. Il y a juste un truc, genre, la photo, je sais pas, il y a un truc qui me perturbe, je te jure. Je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui me perturbe. Le concept de cette vidéo est simple. Vous avez sûrement vu ces vidéos où des youtubeurs fake des vacances sur Instagram pendant plusieurs jours grâce à la magie de Photoshop. Aujourd'hui, nous allons reproduire quelque chose d'assez similaire. Sauf qu'au lieu de simplement prétendre être en vacances, je vais me photoshopper sur des photos de McFly et Carlito et sur des photos de Mr. V comme si j'étais leur pote. Et ensuite, je ferai croire qu'un feat avec eux arrive sur ma chaîne. Pour cela, je vais devoir faire croire à mes abonnés que je suis parti en France et plus précisément à Paris pour un très très gros projet. Car je suis belge et pas français, donc si je rencontre McFly et Carlito ou Mr. V, je dois forcément être en France. En résumé, je vais faire croire à mes abonnés que je pars en France pour un projet hyper important grâce à de fausses stories, alors qu'en fait je serai chez moi. Ensuite, je posterai subitement une photo photoshopée de moi avec Mr. V ou de moi avec McFly et Carlito, c'est encore à voir. Finalement, nous observerons les réactions. Les gens vont-ils y croire ou vont-ils remarquer que c'est du Photoshop? C'est la question qu'on se pose. Bon bah c'est parti les mecs. La première étape de cette vidéo les amis, elle est très simple. On va devoir trouver des photos de McFly et Carlito et de notre très cher ami Mr. V. Allez, c'est mardi. Après des heures de recherche qu'on peut définir d'assez intensive, j'ai trouvé les photos sur lesquelles j'allais m'incruster. Les voici. Ça, voilà, c'est une avec Mr. V et Booba. Et l'autre, elle est ici. Et celle-là, c'est McFly, Carlito et Mr. V. Et là, je vais me mettre à la place de Mr. V. Du coup, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est appeler mon poteau Elias et prendre quelques photos sur fond vert. Bon, j'ai pas de fond vert, mais je vais trouver un moyen. Vous inquiétez pas. Du coup, vas-y, mets d'abord de ton côté. Bon, j'ai pas de fond vert, mais je vais trouver un moyen. Alors les gars, le fond vert du pauvre, c'est pas dit l'eau. Les amis, comme vous pouvez le voir, notre fond vert de la S est fin prêt. Il est prêt à faire du Le Samad. Tu peux montrer l'architecture au-dessus, s'il te plaît? Ça, c'est du Van Gogh, ça, c'est du Picasso. Bon, les amis, on passe à la partie shooting photo. Là, on va commencer par cette photo. T'es moche! Je pense qu'on va la faire en mode selfie, donc il va faire comme si lui était Mr. V et comme si moi j'étais Booba. Je pense que ce sera plus simple pour le monteur, ça rendra le Photoshop plus réaliste. On croira vraiment que je suis avec lui. En fait, il est un peu écarté en même temps. Tiens, les gars, il va s'abaisser. Oh putain! Ah, mais je dois faire aussi par rapport au fond vert. Bah, attends, mais on se fait comme ça. Ok. Avance-toi un peu encore. Et abaisse un peu l'écran, donc tu dois être un peu. Voilà. Enfin, non, plus droit. Voyons voir ce qu'on a trouvé, les amis. Oh! Bah ouais, bravo. On va envoyer ça au monteur et on va voir ce qu'il sait en faire. Maintenant, on va passer aux photos de McFly et Carlito. Du coup, voilà, la photo, elle s'affiche là. Mais là, vu qu'elle est un peu plus compliquée, il va falloir que je trouve une manière de poser mon bras un peu comme Mister. Et voilà, voilà. Voilà, les photos sont faites. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai envoyées à plusieurs monteurs différents. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur les mêmes photos. Et de ces photos que je recevrai, je choisirai les meilleures. À cet instant, il ne me restait plus qu'à faire croire, à l'aide de fausses stories, que je partais pour Paris.
Alors premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite photo que j'avais déjà prise à Paris, donc une photo de la Tour Eiffel, sous laquelle j'ai écrit « Sur Paris demain pour un très très gros projet ». Entre parenthèses, vous êtes pas prêts, genre vraiment pas, fermez la parenthèse. En deuxième, j'ai mis « Vous êtes pas prêts », trois petits points. Et en troisième, j'ai mis genre vraiment pas. Et là, ça a bien teasé les gens, j'ai eu pas mal de réponses, hein. Vous pouvez d'ailleurs le voir par vous-même. Aïe, ça arrive lourd, t'es pas prêt. Je suis prêt là. C'est si chaud que ça? Ramène-moi un extincteur, bordel. On a compris. The bear. On m'a tout dit pour le feat avec PNL. Mec, trop démarre, lol. À présent, plus qu'à attendre le lendemain pour fake une journée entière à Paris, juste à l'aide de ma story Instagram. Du coup, on se retrouve le lendemain, il est déjà 17h, j'ai mis quelques stories déjà pour faire croire que je suis parti à Paris. Du coup, en première story, j'ai mis ça. Very interesting, je trouve que ça donne grave bien. Après, j'ai mis voilà une petite story basique, voilà un truc que j'avais dans mes archives, donc en fait c'est des stories que j'ai déjà mises, mais personne a grillé. Ensuite, j'ai encore mis une petite story à la Défense, voilà pour accentuer, voyez-vous. Et ensuite, j'ai mis voilà une petite story comme si j'allais au Five Guys. Vous-même que tout à l'heure je suis descendu en bas, j'ai croisé ma soeur, elle m'a dit attends mais t'es pas à Paris toi? Je dis, ah, non je suis pas à Paris, si tu me vois, est-ce que je suis à Paris? Non. Là je voulais mettre une dernière petite story pour vraiment donner l'impression vraiment qu'il va se passer quelque chose. Parce que voilà, pour ceux qui savent, pour un peu les petits connaisseurs, Webedia c'est là où il y a McFly et Carlito. Ils sont là-bas, c'est là où il y a leur studio. Et du coup je voulais trouver une petite story de Webedia devant Webedia, un truc comme ça. Ce serait vraiment le luxe. Ok, on a du lourd. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre celle-là, je vais la mettre dans ma story. Et ensuite, une dizaine de minutes plus tard, je vais mettre celle-là. Du coup, je fais ça maintenant, les gars, et on se retrouve après. Donc voilà, les gars, là, ça fait 40 minutes que j'ai mis la première story et 20 minutes. La deuxième, j'ai déjà reçu quelques petites réponses. Voilà, des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu fous là? Ok, gros, t'as clairement plus notre temps. MDR, tu vas tourner une vidéo avec qui, frère? J'ai juste mis des yeux, il m'a dit balance un nom. Et en vérité, je vais juste mettre un M. Comme ça, quand j'ai posté la photo avec Mr. V, il va pas comprendre. Et M, c'est pour Mr. V et aussi pour McFly et Carlito. Du coup, c'est parfait. Voilà, là, en luxe chez Webedia. Mon gars, tu connais, c'est normal. Oui, c'est normal, on est chez Webedia ou pas? On est chez Webedia ou pas? Nope. Du coup, on a reçu aussi, mais non. Mais si, pour l'interrogation. Les gars. Je viens de recevoir un message vocal de mon monteur. Le message qu'il m'a envoyé, il est magnifique. Franchement, si c'est le cas, gros GG à toi. Alors là, c'est impressionnant. From... Seul dans sa chambre à faire des vidéos, tout Webedia. C'est incroyable. Et si c'est vraiment le cas, c'est vraiment fou. Et c'est cool que tu te fasses remarquer. Franchement, félicitations. Franchement, bravo. From seul dans sa chambre, tout Webedia, il a dit. Si seulement il savait qu'au moment où je l'écoute, je suis seul dans ma chambre devant ma caméra. Non. Les amis, l'heure de vérité est arrivée. C'est le moment où tout ce travail acharné que j'ai fait depuis hier va enfin peut-être porter ses fruits. Tout repose sur les quatre élus. Ceux qu'on appelle les monteurs Photoshop. Ceux qu'on n'appelle pas, qu'on va chercher. Ont-ils fait un travail de taille? Ou m'ont-ils déçu? C'est maintenant. J'espère que je vais pas être déçu. Les photos sont là. Je vais mettre mes yeux sur la première. Oh shit! Ouais, non, oui et non. Non. Ouf. Ouais, ça passe. Je me trouve trop grand par rapport à Mr. V. Franchement, moi, je vois ça, je crame direct. Bon, la suivante. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs, grand mythe. Oh, les gars, ça craint. En vérité, ça craint, là, ça craint de ouf. Ouais, je décompresse. Oh là là, oh putain. Ça, c'est mdhn.art sur Instagram. Allez le follow. Sur Instagram, ça affiche là. Il fait des trucs de dessin, tout ça. Merci, frérot. Celle-là, je la poste clairement. Y'a pas photo. Elle est bien ou pas, les gars? Non, ok, celle-là. This is the one. Ah, il a rajouté des ombres sur mon visage. Mais la vérité, moi, tu me montres ça. Tu me dis pas, j'y crois. Les gars, je viens de recevoir les photos avec McFly et Carlito. Je les ai pas encore ouvertes, mais je tiens à vous rappeler que la photo de base, c'était celle-ci. Maintenant, découvrons ce qu'il nous a fait. C'est grave bien fait, mais il y a un truc qui me dérange et que je ne retrouve pas sur la photo de Mr. V. On va quand même regarder les autres versions.
Ouah, c'est dur à dire. Hein. Ouais, en vrai, celle-là, en fait, la situation est beaucoup moins naturelle que celle avec, avec Mister V. Par contre, le bras est hyper bien posé. En soi, quand tu sais pas que c'est un montage, ça peut le faire. Ouais, pour moi, la meilleure, c'est celle-là. Je vais prendre celle-là. Bon bah les mecs, maintenant c'est l'heure de vérité. Les frérots, l'instant de vérité est enfin arrivé. Tout le travail que j'ai fait depuis le début de cette vidéo va être jugé maintenant. C'est maintenant l'instant crucial, on va pas perdre plus de temps que ça. Mais du coup, pour la photo avec Mr. V, j'ai choisi celle-ci. Et pour la photo avec McFly Carlito, j'ai choisi celle-ci. Bon allez les gars, on y va. On se lance un feat avec Yvick. Ça vous dit, je vais l'identifier. Les amis, c'est l'instant de vérité, je partage la photo. Oh putain, c'est trop stressant. La photo est en ligne. Oh là 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 là, ça va être quoi les réactions? Même mon pote Charlie il y croit. Mon pote Charlie il y croit. Bah ouais, fort gros. Et bah ouais, c'est mortel, ça toujours au top toi. Les deux meilleurs youtubeurs ensemble, ça va être la pépite. Attendez, je vais mettre la story. 2020, on mange. J'avais prévenu. Imaginez Mr. V répond. Imaginez Mr. V répond. Ouais grave, 2020 on avait dit quoi frère? D'office, les deux meilleurs youtubeurs ensemble. Bah ouais fort, ouais obligé. Pff, oh là là, trop facile, trop facile. Je suis dans ma chambre les gars, je suis dans ma chambre. Les deux meilleurs youtubeurs ensemble, ça va être la pépite. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prête, parce qu'il y a écrit Charlotte, je crois que c'est une meuf. Par contre, hey, les mistos, elles vont arriver dans mes DM et tout, là, ça va arriver en pagaille. Hein. The Photoshop is high. Oh, shit. Je sais pas si je supprime le commentaire ou si je le laisse. Non, non, les gars, je supprime la vérité, je m'en... Hey, désolé, je m'en bats les couilles, je supprime. Je vais le dire un milliard de fois, mais je vous jure, je suis bien, là. Genre, là, je suis bien. Je vois maintenant, ça fait quoi d'être le pote de ces gens? Parce que là, je suis bien. Je suis bien. Je suis content. Je suis satisfait de mon travail. Ça a apporté ses fruits. C'est carré. De fois, le shampoing qui s'aille. Il a remis son commentaire. Oh, bah, je supprime. Bien joué à toi. Mais désolé, désolé. J'ai pas envie que ça se fasse griller. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'aller me follow sur Instagram si à l'avenir vous voulez vous faire pranker par moi-même, par mes soins. Allez me follow, c'est très important, Blackrock. Je vais laisser un peu les notifications se faire, c'est-à-dire je vais mettre mon téléphone de côté. Donc je vais désactiver mon wifi et après je vais remettre et on verra ça dit quoi. Voilà les gars, là ça fait exactement 25 minutes que j'ai enlevé le wifi de mon téléphone. Du coup là je vais relancer l'enregistrement d'écran. 1500 gros feat là, là c'est M2HNart comme je vous ai dit, c'est lui qui s'est occupé du montage. Du coup c'est lui, du coup allez le follow en balle. T'es sérieux ouais, trop grave, sérieux. Plus que sérieux. Quoi? Mais oui, oui et oui. Oui. Comment les repartages? Ah ouais, quand même, ça y a été. Hein. 2020, c'est lui. Le prochain, c'est Will Smith, Black Crook, n'oubliez pas son blaze. Zinc, Webedia, putain, t'as le contrôle de l'univers, puissance max. Bon, Solid Mike, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur, c'est un pote à moi. Il est tombé dedans. Nom de Dieu. Mais ça va franchement, niveau commentaire ça va. Y'a qu'une personne qui a cramé sur les 1600 qui ont aimé la photo. Du coup pour moi c'est gagné, we did it. Les gars, je viens de recevoir un message vocal d'un pote. Ton message il est pas mal du tout, écoutez ça. Gros, ouais franchement ouais, ce mec qui arrive, ouais lourd hein. Non mais juste un truc genre, la photo je sais pas, y a un truc qui me perturbe, je te jure. Je sais pas c'est quoi mais y'a un truc qui me perturbe dans la photo. Mais vas-y ouais, je vais mettre un shit. Mais toi bien. Bon alors ici j'ai reçu un message vocal, c'est quoi? Eh j'attends toujours qu'on se voit. Oh la misto. Oh la misto. Oh les gars. Oh la misto. Par contre, eh les mistos elles vont arriver dans mes DM et tout, là ça va arriver en pagaille. Hein. Pas parler depuis. Je l'ai unfollow, elle m'a unfollow. Bisous les misto. Ah t'es de retour toi, ça faisait longtemps hein, que j'avais plus entendu parler de toi, c'est bizarre hein. Bon, on va voir si elle va répondre. Je vous avais dit que ça allait ramener des mistos, je vous l'avais dit. C'est parce que j'ai fait un tri dans les personnes à qui je suis abonné. Et je suis occupée à trier tout ça. Et je suis retombée sur ton profil, c'est pour ça. Mmh, pas moi, pas moi. Du coup, je vais voir si je poste la photo avec McFly Carlito dans la soirée ou bien demain. Le temps nous le dira, mais pour vous, ce sera le montage. Bon bah on est le lendemain les mecs. Il est actuellement 19h20 les potos. Ça fait exactement 23h que la photo avec Mr. V a été postée. Elle a fait à l'heure actuelle 4330 j'aime. Et encore pas mal de commentaires. On va pas les lire, je vous invite à aller les voir vous même sur mon Instagram. Il y a eu pas mal de commentaires, il y en a des drôles, il y en a des... Ah, je vais pas te spoil mec, va voir par toi même quoi. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poster la photo avec McFly Carlito. La photo elle est un peu plus obvious, elle est un peu plus cramée. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais poster la photo avec McFly Carlito. Et je vais dire aux gens à samedi 13h
pour une nouvelle vidéo. Et en fait, bah, ce sera cette vidéo tout simplement. À mon avis, les gens vont cramer. En fait, c'est vraiment cramé parce que McFly et Carlito, ils sont actuellement en train de faire un challenge où ils se laissent pousser la barbe et tout. Donc là, vraiment, c'est posté pour poster. Non, on va mettre un peu de suspense avec un petit sablier des familles. À samedi prochain. 13h. Webedia. Voilà. Moi, je vois ça, je crame direct. Première à avoir liké. Félicitations à toi, Léon du 9-3. Bravo, bravo, tu as accompli quelque chose. Mais ouais, Carlito, il est blond. Ah, mais j'ai cru pendant 10 secondes. Ah ouais, ça, je l'ai appris après, mais c'est vrai que Carlito est blond. Maintenant, je le savais pas. J'ai l'impression que c'est un montage. Est-ce que tu nous prendrais pas? Et quelqu'un a répondu, MDR, je crois que si. Bon voilà les gars, je vous ai lu quelques commentaires, il y en a encore pas mal d'autres, je vous invite à aller les voir vous-même sur mon Instagram les frérots, hein, qui s'affiche là. Donc voilà, va checker par toi-même. Conclusion de cette vidéo, la photo qui était de base celle-ci, qui est devenue celle-ci, a plutôt bien fonctionné. Il y a 3-4 personnes qui ont grillé, pas plus. Par contre, la photo qui était ceci, et qui est devenue ça, bon, elle était un peu plus grillée, on va pas se mentir. Du coup, pour moi, ce défi est réussi avec franc succès, parce que si j'ai pris une photo avec Mr. V et une autre avec McFly Carlito, c'était pour prendre la meilleure des deux ensuite. Ce que j'ai fait, et c'est passé. Du coup, on peut dire que le défi est réussi. Du coup, si vous voulez une partie 2 pour cette vidéo, les gars, ça se passe dans les commentaires. Bien sûr, je la referai pas sur Instagram. J'ai une idée en tête, je vais pas la divulguer, mais je pense que ça pourrait grave bien fonctionner. Bon bah les mecs, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous vous porterez bien. Moi, je vais vous laisser. Bisous.